Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et aujourd'hui je sens que l'on va craquer encore de nouveau pour une petite multi-invocation qui n'était pas prévue à la base. Ce portail là il est sorti un petit peu de nulle part, j'étais pas au courant qu'il devait arriver. Et donc c'est un portail Festival Dokkan sur lequel on nous propose une multi-invocation pour 30 pierres du dragon avec des personnages à l'intérieur qui peuvent être intéressants. On voit Gogeta, j'espère ne pas l'avoir parce que je l'ai déjà spédis. On peut voir le Broly God Tier de type endurance, donc là ça m'intéresse. Il y a aussi le Broly de type puissance qui peut servir comme carnage. Il y a du Kid Buu, il y a d'autres personnages, on va aller les voir. Et de toute manière, comme je le disais, à la base cette multi-invocation n'était pas forcément prévue. Mais apparemment le taux de drop est plutôt élevé. La multi-invocation eh bien, est à 30 pierres à la place de 50, donc c'est plutôt cool. Alors normalement je devrais économiser pour un futur Goku Super Saiyan Blue Kaioken, qui va être extrêmement intéressant puisqu'il sera de type agilité et il pourra aller dans l'équipe avec Super Vegeto. Mais je me dis que d'ici là j'aurai le temps d'économiser quelques pierres, puisqu'à vrai dire il va y avoir des nouvelles quêtes qui vont arriver en début du mois. Il va y avoir aussi les connexions quotidiennes qui sont déjà en cours d'ailleurs, sur lesquelles pour les 500 jours on peut récupérer un total je crois de 50 pierres du dragon. Donc si on fait le calcul des deux, on va dire qu'avec les nouvelles quêtes on peut en récupérer 50 plus les connexions quotidiennes 50, on va dire ça fait déjà une centaine. Et derrière en plus de ça j'ai pas totalement terminé le mode histoire actuel puisqu'il me manque le dernier chapitre à terminer en hard et Z Hard, puis quelques événements à côté. Donc je sais que je vais pouvoir récupérer quelques pierres pour ce fameux Goku Blue Kaioken par la suite. Donc on est parti pour cette multi-invocation. On va juste regarder un petit peu ce qu'il y a dans le détecteur. Et donc le premier personnage qu'on nous montre, c'est le God Tier Broly Endurance. Il y en a beaucoup qui le sous-estiment quand même, Broly. Il y en a beaucoup qui le sous-estiment parce qu'il est sorti en même temps que Super Vegeto. Et c'est vrai que Super Vegeto eh bien, lui a fait complètement de l'ombre. C'est vrai que Super Vegeto, il est excellent. Mais Broly n'est pas nul, attention. Attention, il est loin d'être nul. Certes, il est peut-être légèrement moins bon, mais il est loin d'être nul, ce Broly Endurance. Donc si je l'ai, je saute, clairement, je serai super content. Ensuite, Gogeta, alors lui c'est le personnage à ne surtout pas obtenir puisque je l'ai déjà en Spédis, ça me ferait vraiment chier de l'obtenir à nouveau, mais au pire je le garderai et puis quand il y aura l'arbre, vous savez, pour les doublons, là, des compétences, tout ça, ça pourra toujours servir, mais pff, ça me fait chier de refaire son éveil d'Okan. Broly puissance, bah je prends, c'est un carnage, alors c'est peut-être un des carnages qui a les moins bons liens, mais toujours utile. Il y a beaucoup de personnages qui donnent des ki plus 2, plus 3 sur le type puissance, donc toujours utile dans une team pour le Tenkai Shibudokai. Le Kid Buu, je prends, je sais qu'il a un éveil d'Okan, je prends. Vegeto tout court plutôt, je prends aussi. Celui-là à la rigueur, je prends aussi. Le Goku Super Saiyan 3, lui, je ne le veux pas. Vegeta Super Saiyan 3, je prends avec grand plaisir. Je prends avec grand plaisir, sachant qu'on n'est pas obligé d'obtenir ces personnages-là, on peut aussi en obtenir d'autres qui sont disponibles dans ce portail. J'y crois que le taux de drop est à environ 9%, donc on croise les doigts, 30 pierres du dragon, j'ai aucun regret, je le fais sans regret, j'hésitais à la faire, et puis je me suis dit, si je la fais pas, je vais avoir quelques regrets. Alors autant le faire, et comme ça au moins, peu importe si j'ai des bonnes cartes ou pas, c'est pas grave, on aura tenté, et qui ose gagne, j'ai envie de dire, qui ose gagne. Allez, c'est parti. Est-ce que maintenant tu peux me balancer du SSR? C'est ce que nous allons voir d'ici quelques petites secondes. Et on commence avec une SR, Zangia. Zangia, alors voyons voir, qui plus 2, ok, très bien. Inflige de gros dégâts et diminue l'attaque. Pourquoi pas. Après, c'est pas ouf, mais pourquoi pas. Oh putain, le Sangwan. Ah, le Sangwan qui m'avait terrorisé sur la précédente multi-invocation avec le Gotenks SSJ3. Il m'avait vraiment terrorisé, celui-ci. Rare. Bon, ben c'est de la merde. Suivant. Ah, Sangoten. Ouais, Sangoten GT, c'est du caca. Suivant. Sangwan. Oh putain, me dis pas qu'on va se taper une spéciale Sangwan. Oh, je pleure, là. Si j'ai que des Sangwan... Je pleure. Allez. Oh là 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 là. Putain, 30 pierres du dragon, j'ai vu, il y en a plein qui m'ont envoyé des screens comme quoi ils ont eu des multi-invocations avec des triples SSR et tout. Et en plus avec un taux de drop hyper élevé comme ça, je me suis dit, on a peut-être une chance d'avoir du SSR. J'y crois encore, c'est pas terminé. Mais là, quand je vois ça, je commence à y croire un petit peu moins puisqu'on est déjà à la moitié de la multi-invocation et nous avons toujours rien. Docteur Gero SR Endurance, aïe, SSR, le Freezer, deuxième forme puissance, ouais. Aïe, les 30 pierres du dragon. Aïe, les 30 pierres du dragon. Mais c'est pas terminé. Le Vegeta technique.
Je crois qu'il me reste que deux personnages. À obtenir. Et pour le moment, bah, pas de SSR. Aïe. Oh là là, le Chaozu. Oh, qu'il est pas beau. Mais je crois qu'il me reste un personnage. On termine avec ça, sérieusement? C'est terminé. Le drame. Eh bien voilà, Lilian. Tu as voulu jouer, tu as perdu. D'un côté, tu vois, je suis déçu parce que j'ai pas de SSR. D'un autre côté, c'est comme ça. Si je l'avais pas tenté, cette multi-invocation, bah, j'aurais été déçu aussi, en fait. Donc au final, c'est pas grave, j'ai utilisé mes 30 pierres pour de la merde, mais on reviendra plus fort. Et concrètement, j'avais envie de la tenter, celle-là. Donc, sans regret, tu vois. La précédente, sur le Gotenks SSJ3, j'étais pas chaud à la base. J'étais vraiment pas chaud, on m'a chauffé, et j'ai eu de la merde. Et là, par contre, ouais, là, j'étais dégoûté. Mais aujourd'hui, bah, j'ai eu de la merde, mais je m'y attendais un peu, tu vois. Donc, j'étais préparé psychologiquement à avoir de la merde. Donc, du coup, c'est pas bien grave. Mais ça me fait chier quand même, parce que apparemment les taux de drop sont beaucoup plus élevés que sur les précédentes invocations, sur les précédents portails. Gotenks, il était à 9%, lui il est à 9% aussi environ, hein, c'est un approximatif. Et malheureusement, non, que de la caca. Donc ouais, un peu déçu, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de te dire. Donc sur ce, eh bien écoutez, on va terminer cette vidéo multi-invocation sur Dokkan Battle. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas, bien sûr, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram, tous les liens disponibles dans la description de la vidéo. Nous avons aussi ouvert un serveur Discord sur lequel vous pouvez discuter tous ensemble et sur lequel je viens régulièrement discuter avec vous aussi. Ça aussi, c'est disponible dans la description de la vidéo. Et puis, si jamais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez obtenu sur ce portail dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, on se laisse. Passez une bonne fin de journée, amusez-vous bien. Et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Au revoir tout le monde.